Vous regardez M6 Info. Le référendum sur le maintien ou non du Royaume-Uni dans l'UE était une promesse de campagne du Premier ministre britannique David Cameron, qui briguait un second mandat en 2015. Le camp du Brexit l'a emporté le 23 juin 2016. Et depuis, c'est la confusion. Retour sur la genèse de ce référendum inédit dans l'histoire européenne. Un récit signé Célia Koulalen et Félix Thomen. Une première ministre isolée face à un Parlement incapable de se mettre d'accord pour sortir de l'Europe. C'est tout à fait inédit dans la vie politique britannique contemporaine qu'un gouvernement soit dans une telle position de faiblesse. Comment en est-on arrivé là ? Comment les Britanniques ont-ils été amenés à voter oui au Brexit ? Les partisans du Brexit ont parlé de choses fausses et simples, mais qui ont touché au cœur des gens. Récit d'un fiasco politique. Le 23 janvier 2013, depuis le quartier de la City, David Cameron va faire une promesse dont il n'imagine pas encore les conséquences. Il est temps que les Britanniques s'expriment. Il est temps pour nous de régler cette situation entre la Grande-Bretagne et l'Europe. Cette annonce doit servir à calmer l'aile contestataire et europhobe de son propre camp et faire revenir une partie de ses électeurs attirés par un certain Nigel Farage. C'est un dirigeant nationaliste qui aujourd'hui peut être regardé comme un dirigeant populiste. Hein. Le leader du Parti pour l'indépendance du Royaume-Uni déteste l'Europe et ses élites. En 2010, voici comment il s'adresse au nouveau président du Conseil européen, Herman Van Rompuy. Vous avez le charisme d'une serpillière humide et l'apparence d'un petit employé de banque. Qui êtes-vous ? Je n'ai jamais entendu parler de vous. Un roi de la provoque, son thème de prédilection, c'est l'immigration. En campagne, il conduit ce camion montrant des files de migrants avec ce message « Point de rupture, l'Europe a failli ». Il a réussi à imprimer dans l'opinion publique le fait que l'Union européenne et la migration, c'était la même chose et qu'en sortant de l'Union européenne, on arrêterait les flux migratoires. Aux élections européennes de 2014, c'est donc lui qui ressort grand vainqueur avec 27,5% des voix. David Cameron est dépassé sur sa droite. Il veut reprendre la main lors d'un sommet à Bruxelles en février 2016. Avec l'aval de la Commission européenne, il va limiter les droits sociaux des travailleurs non européens en Grande-Bretagne. Sûr de lui, il annonce que le référendum sur le Brexit aura lieu le 23 juin 2016. Vous déciderez. Le choix est entre vos mains. Le Premier ministre donne de sa personne pour que la Grande-Bretagne reste dans l'Union européenne. Mais l'irruption dans la campagne d'un personnage haut en couleur va compromettre tous ses plans. Je voterai pour quitter l'Europe parce que je veux ce qu'il y a de mieux pour les gens de ce pays. Boris Johnson, le maire de Londres, l'allié, vient de trahir un vieil ami. David Cameron et Boris Johnson ont tous deux fait leurs études à l'université d'Oxford. Ils sont au sein du Parti conservateur et donc ils se connaissent très bien. Boris Johnson fait un pari. Si les Britanniques décident de sortir de l'Europe, David Cameron devra démissionner. Donc ça lui paraissait une bonne option pour devenir Premier ministre. Le Brexit a deux solides avocats, Boris Johnson et Nigel Farage. Ils ne sont pas du même camp mais avancent le même argument. Chaque semaine, la Grande-Bretagne donne 350 millions de livres à Bruxelles, alors que cet argent permettrait de renflouer le NHS, le système de santé britannique. Ce chiffre s'est révélé complètement faux et mensonger. C'était ce qu'on peut dire à l'époque une fake news. La campagne se poursuit dans un climat nauséabond. Elle va même virer au drame lorsque Jo Cox, une députée travailliste pro-européenne, est abattue par un jardinier au chômage proche de l'extrême droite. On peut dire que Jo Cox a été la victime emblématique de cette montée de la violence politique au Royaume-Uni. En signe de deuil, on interrompt la campagne durant 48 heures. Le scrutin est dans une semaine. Le 23 juin 2016, jour du vote, le tabloïd populiste Le Sun ose le titre « Independence Day ».
Référence à un film d'Hollywood où les terriens se débarrassent des aliens. Les Britanniques se rendent aux urnes. Dans la nuit, les résultats tombent. Les Brexiteurs ont gagné avec 51,89% des voix. Le lendemain, David Cameron annonce qu'il va démissionner. Les regards se tournent vers Boris Johnson. Celui qui rêvait de devenir Premier ministre va une nouvelle fois surprendre. Ce moment est l'opportunité de rendre au Royaume-Uni sa grandeur. C'est la mission du futur Premier ministre. Mais je dois vous dire, mes amis, que je ne peux pas être cette personne. Il ne faudra pas non plus compter sur Nigel Farage. Avant de quitter son parti, il reconnaît en direct à la télévision avoir menti aux électeurs. Les 350 millions qu'on donne chaque semaine à l'Europe, ils vont bien aller à notre sécurité sociale ? Non, je ne peux pas le garantir et je n'ai jamais fait cette demande. C'est finalement l'ancienne ministre de l'Intérieur, Theresa May, qui s'installe au 10 Downing Street, avec pour mission de trouver une porte de sortie à une crise dont on ne voit toujours pas l'issue.